Depuis maintenant une quinzaine d'années, nos plans d'eau et rivières, un petit peu partout en France d'ailleurs, on voit de plus en plus des grands poissons. Ces grands poissons, ce sont les silures évidemment. Alors les silures, jusqu'à présent, la manière traditionnelle de les pêcher, on les pêchait soit au vif, soit au bouquet de verre, la technique dite du clonk, ou au vif à la bouée. Et il y a quelques passionnés qui se sont découverts une manière de pêcher complètement différente, c'est-à-dire on les traque en les pêchant au leurre. Alors l'intérêt pour tout pêcheur novice ou débutant, c'est que le matériel n'est pas forcément très onéreux. Ça permet de prospecter énormément de terrain, de découvrir comment vit ce poisson, puisque en le recherchant un petit peu partout, on découvre qu'il a des habitacles complètement hors normes. C'est une pêche de traque, une pêche passionnante, parce qu'imaginez pêcher au leurre un grand poisson de plus d'un mètre cinquante, c'est toujours des sensations fortes garanties. Voilà, nous sommes sur la Silica. C'est une rivière qui se jette au niveau de Mekinisa, qui a un profil un peu particulier, on dirait presque une rivière à truites. C'est une rivière type rivière à barbeaux. Nous avons des conditions climatiques particulièrement défavorables, des orages qui nous tournent au-dessus de la tête depuis ce matin. Ça perturbe énormément la pêche, les conditions qui sont pas du tout optimales. Marc, qui est avec nous, me l'a confirmé tout à l'heure, c'est vraiment les conditions les plus difficiles qu'on puisse imaginer. Alors, pour essayer de s'en sortir, ce qu'on fait depuis ce matin, on alterne tous les trois les différents types de pêche au leurre. C'est-à-dire que Marc, par exemple, pêche avec une cuillère très légère en surface. François, lui, est au poisson nageur. Et moi, je pêche avec des cuillères un peu plus lourdes. Alors, on a aussi essayé des leurres souples. Le problème, c'est pour arriver à trouver un accès pour le bord de l'eau. En plus, comment vous faites ça ? Ben, il n'y en a pas. Ce qu'on appelle la pêche dans la jungle. Ça se mérite, les poissons. A priori, on a quelques poissons sur les bordures, donc alors c'est une pêche un petit peu là aussi particulière. Alors les bordures, c'est 10 cm du bord dans 30 cm d'eau, ça c'est vraiment très original. C'est un petit peu surprenant, mais c'est ce qui fait le côté sympathique de la pêche en rivière. Je garantis que je l'ai vu monter, il était beau. Hein. On va essayer de traverser sur les graviers. Puisque bon, mais déjà on est relativement mouillé. Oui, ça, il n'y a pas de problème. On va essayer de traverser sur les graviers et de faire cette veine d'eau qui arrive là au large. D'accord. Les postes en rivière sauvage. Contrairement à des idées reçues, tout le monde pense que le silure vit dans des grandes fosses, à l'ombre. C'est complètement faux. Aujourd'hui, là, on pêche une rivière sauvage, on peut trouver le poisson absolument n'importe où. On peut le trouver dans des courants, on peut le trouver sous un arbre, on peut le trouver dans 3 mètres d'eau, comme dans 20 cm. C'est ce qui fait tout le charme de la pêche au leurre, c'est qu'il faut absolument peigner la rivière, quel que soit le type de poste que l'on rencontre. Bon ben voilà, vous venez d'avoir confirmation de ce qu'on disait en préambule, à savoir que Marc vient de pêcher un courant. Le premier poisson de ce matin. Il a pris un poisson à l'endroit où on ne l'aurait même pas imaginé, c'est-à-dire en queue de courant, juste avant, on va dire, un grand rapide. C'est un poste où on n'a pas du tout l'habitude de trouver des grands poissons. Bon ben, vous voyez, comme quoi il faut vraiment peigner et insister. C'est une pêche où il faut être très opiniâtre. Hein. Quand la pêche est très difficile comme ça, il faut vraiment alterner, varier sa pêche. Donc avoir un choix de leurre assez important. Sur cette rivière où il y a très peu d'eau, je ne pense pas que les leurres lourds soient appropriés. Il vaut mieux des leurres légers ou des poissons nageurs flottants, quitte à les faire flapper ou les s'en servir comme un popper. C'est très coloré, hein, poisson de rivière, très coloré toujours. Une excroissance, ce qui est le sexe du silure mâle, ce qui n'a pas la femelle bien sûr. Voilà. Là on est sur une rivière avec beaucoup de courant qui ressemble plus à une rivière à barbeaux qu'à une rivière à silure. Ce cas, les silures ont colonisé la rivière, passent par les courants et se mettent sur des poules qui
qui sont plus ou moins calmes. Et c'est là où on arrive à prendre quelques poissons en pêchant au leurre. Bon, ça oblige à marcher beaucoup parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits à pêcher. Ça oblige à se mouiller parce que les waders, quand il fait chaud, c'est pas très confortable. Mais on prend quelques poissons. Bon alors aujourd'hui c'est pas la même journée qu'hier. Hier vous avez vu qu'on a ça a été très difficile. La barque a sorti les grands moyens. Alors on vous dira pas où on est parce qu'il tient à garder secret. Et nous a amené sur un de ses lieux préférés où on alterne des plages avec très peu d'eau et puis des falaises où il faut pêcher à flanc de rocher. Alors déjà ça impose d'avoir deux types de leurres différents. On va pêcher soit avec des leurres relativement légers voire très légers pour les plages. Il y avait des leurres beaucoup plus denses pour les falaises. Nous allons utiliser pour pêcher différents types de leurres. Alors je vous invite à les regarder avec moi. Alors, les différents types de leurres, la liste n'est pas exhaustive. Hein. Des poissons nageurs de surface qui plongent lorsqu'on les ramène, relativement denses. Ça marche très bien. Cuillère ondulante. Alors, je ne vais pas être méchant avec les principaux fournisseurs du marché, mais vous voyez qu'elles sont toutes réarmées, c'est-à-dire on change l'anneau brisé et on change les tripes parce que ce qui est fourni dans le commerce généralement ne suffit pas. Des poissons nageurs en plastique, là il y a une tête plombée, vous voyez que l'armement est très costaud. Un poisson nageur de surface bruiteur, vous pouvez l'entendre. Comme m'a expliqué Marc, le silure est un poisson qui réagit au bruit et il ne faut pas l'animer trop vite parce que le silure aura tendance à le louper. Alors, il faudrait l'animer presque comme un popper. Donc une tirée, on attend, une tirée, on attend, ça marchait très bien. Alors l'incontournable Sandra, c'est pas la peine de l'utiliser dans des tailles énormes, ça fait 16 cm, c'est largement suffisant. Et puis pour finir, les cuillères qu'a mis au point Jean-Claude Tarzini, vous voyez l'armement, là celui-là il est très correct, belle anneau, anneau brisé, un beau triple et un petit teaser derrière. Donc avec un panel comme ça, déjà, vous rajoutez la cuillère qu'a utilisé François, la cuillère ondulante, extrêmement planante, légère, et puis vous avez de quoi largement pêcher. Marc vient de nous amener sur un poste complètement atypique, sur un haut fond. À perte de vue, le fond est d'environ 40 cm. Marc, connaissant parfaitement son sujet, nous dit qu'il y a là des grands poissons. C'est vrai que ça peut paraître surprenant au premier abord, mais il y a quelques signes annonçateurs de bons poissons. Ce qui veut dire que ces poissons, ils sont là pour s'alimenter. Ils sont en train de manger des petites proies. Je pense qu'ils sont sur les écrevisses, d'où leur présence à cet endroit-là. Alors là, évidemment, il faut les pêcher avec des leurres de surface ou des leurres très légers. Soit des cuillères ondulantes extrêmement planantes et très peu lourdes, soit des poissons nageurs de surface qu'on va faire, entre guillemets, flapper en surface. Ou des leurres souples avec des toutes petites plombées. Passe pas dessus, n'y passe pas dessus. Ah si, si. Ah ouais, ouais. Alors, là, il y a un poisson, vous voyez, qui vient de faire un remous. Il a refusé le leurre en fait. Il l'a pas loupé, il a refusé. Alors quand il y a un refus comme ça, bon, ce sont des poissons qui sont pas forcément mordeurs ou qui sont pas mordeurs sur le type de leurre. Une explication rapide, on a des poissons qui peuvent s'alimenter, ils ont beau être très gros, ils s'alimentent bien souvent de petites proies, des écrevisses, des moules, voire des vers de vase, des tout petits alevins. Et là, il a pris le leurre pour un concurrent et il lui fait peur, il l'expulse, voilà. Soit il s'accroche par mégarde, par le ventre ou par la queue, soit il repousse le leurre carrément, voilà. Il a pas mangé, j'ai bien lassé là pourtant. Ouais, j'ai vu. Hop là. On est dans l'axe de ma canne, on voit bien là au milieu des branches, là il y a un silure. Hein? Marc va essayer de le pêcher, on essaie de s'en approcher le plus souvent possible, il y a 30 cm d'eau là, donc c'est extrêmement difficile. Alors voilà, ça c'est tout le charme de la pêche au leurre. Il a fait ce que j'ai dit. Le carpe qui a mordu par la branche.
c'est quand même un léger, il n'y a pas de problème. C'est une carnassière. Non, c'est bon. Non, ça va aller. C'est pas tout à fait ce qu'on pêche, mais elle a bien pris de l'heure. Sandra. Alors là on va changer radicalement de poste, à savoir qu'on va pêcher des tombants de falaise. Alors lorsqu'on est sur un plan d'eau comme ça et qu'on veut s'imaginer le fond, eh bien, il suffit de regarder la berge. Et vous voyez que tous ces éboulis, on a deux types d'éboulis, soit des petits éboulis, soit des gros éboulis. Et eh bien, il faut imaginer sous l'eau c'est exactement pareil, c'est la continuité. Donc dans ces gros éboulis, il y a des failles. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, les poissons ont l'habitude de se cacher là-dedans et se mettre à l'affût dans ces failles. Donc il va falloir faire une pêche un petit peu particulière. On va lancer vraiment à ras la berge et on va laisser glisser notre leurre, entre guillemets, le long de ces failles en espérant qu'un poisson sorte par agressivité ou par faim, hein, pour attaquer. Parce que bien souvent, l'attaque se produit sur le premier mètre entre la berge et nous. Donc être très attentif avec un moulinet évidemment très bien réglé. Ah, mais là, j'y peux rien. On va attendre que le poisson nous tire un peu. C'est bon. C'est un grand poisson. On va faire attention à l'arme. Aïe. Aïe, 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 aïe. Je pense que la trace avait un défaut ou quelque chose comme ça. Quand j'ai vu que tu n'arrivais pas à le faire décoller d'entrée, j'ai dit oula. Bon. Mais c'est la déception du pêcheur qui vient de perdre un beau poisson. En espérant en prendre un prochainement. Marc, ben voyez, vient de se faire exploser la tresse. Alors, c'est pas une faute de pêche à proprement parler, c'est tout simplement le fait qu'il y a eu quelques poissons auparavant. Forcément, il y a eu des frottements de la tresse contre les roches ou les tas de bois, donc une usure prématurée, ben, on l'a pas forcément vu. C'est ce qui fait aussi le charme de la pêche, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Moi, j'aime la violence. Alors, pour vous parler un petit peu de matériel, il faut savoir que là-dedans, il y a deux grandes catégories de cannes. Les cannes courtes, voire très courtes, on va dire aux alentours de 2 mètres. Et puis les cannes un petit peu plus longues qui vont faire entre 2,70 m et 3 mètres. Alors, pourquoi deux types de cannes? Pour la pêche en bateau, il est vrai que les cannes courtes sont bien plus intéressantes parce que ça permet de prospecter beaucoup plus vite. Et lorsqu'on est au combat avec un poisson, on aura un bras de levier plus important, la canne étant plus courte. Par contre, pour toutes les pêches du bord itinérantes, et vous allez voir aussi en bateau quand on est, une 2,70 m est particulièrement bien adaptée. Alors, au niveau pour vous parler un petit peu des budgets, on va trouver aujourd'hui sur le marché français des cannes, on va dire, qui vont aller de 100 euros jusqu'à 400-500 euros pour les plus belles. On va dire qu'un bon budget, ça va se situer entre 200 et 300 euros pour avoir un matériel fiable, parce que le silure, c'est un poisson qui n'autorise pas à peu près. Au niveau du moulinet, alors là, par contre, au niveau du moulinet, il faut du matériel qui tienne la route, parce que ça va être soumis à de rudes pressions. Donc toutes les grandes marques aujourd'hui, quelles qu'elles soient, ont des moulinets qui sont adaptés avec une double vitesse d'oscillation pour un enroulement croisé de la tresse, ça c'est très important, nombre de roulements à billes suffisant. Et pour le silure, alors là je ne peux que vous conseiller des moulinets à frein avant, quoi qu'il arrive, parce qu'on a besoin d'avoir un moulinet avec un frein qui soit fiable. Après vous utiliserez de la tresse, alors de la tresse pour pêcher au leurre, on va dire qu'un 24-26 centième est largement suffisant. Pensez simplement, quand vous serez en action de pêche, à vérifier régulièrement votre nœud. C'est beau de la tresse, ça va, vous allez avoir des frottements contre les cailloux, contre les morceaux de bois, des combats répétés. Donc ne pas hésiter à refaire son nœud en cours de partie de pêche. Heureusement qu'il n'a pas donné un coup de pied. Je le sors. Et bien voilà. Voilà.
l'avantage de la meçon simple. Ah, c'est en fait. J'ai fait rien. J'ai fait rien. C'est bon? Attends, je vais faire rien. On va. Attends, on va se faire. Allez. Enlève les cannes, mets-les sur le côté, tu les mets derrière, tu laisses l'espace à Marc qui puisse combattre tranquille. C'est gros, Marc ? C'est gros. Ok. Allez, on fait un maximum de place, on se met tout assis à l'arrière, François. Allez, Marc. Alors, ça y est, on dirait que la récompense est enfin arrivée. Il faut éviter de tourner dans tous les sens sur le bateau. Là, il s'est positionné. Et maintenant, il va se servir de l'inertie du bateau pour combattre le poisson. Alors, il a la commande au pied au moteur électrique, ce qui lui permet de rester toujours dans l'axe de son poisson. Vous voyez, là, il fait un gros rush. Hein. On a affaire à un très gros poisson. J'espère qu'on aura un peu plus de chance que tout à l'heure. Le problème, c'est qu'on le combat entre des tuyaux. Et je pense qu'il y est passé dedans. Là-bas, vous voyez, là, il y a des tuyaux qui descendent. Ça, c'est pour l'agriculture, l'irrigation. Et le poisson, il, visiblement, est passé dans les tuyaux. Il y va dedans. Hein. Visiblement, c'est un poisson qui connaît les obstacles. Hein. Allez, Marc. On va essayer de se taper de là-dedans, les gars. Ben, c'est ce que j'essaie de faire, mais ça va être très difficile. Hein. Ah, ouais. Il est rentré. Ouais. Allez, Marc. Il est toujours. Donc là, ça, c'est un poisson qui connaît parfaitement bien. Il connaissait parfaitement bien son habitat. Il est allé s'enrouler autour du tuyau de l'irrigation. Alors Marc va essayer de le sortir en force. Je peux vous dire que là, c'est chaud. Hein. Là, avoir totalement confiance à son matériel. Là, on est en limite de rupture. C'est où le poisson fait le tour dans le sens inverse ou on va casser. Et vraiment, Marc joue de malchance ce matin. C'est le deuxième gros poisson qui touche. Et comme quoi, la pêche au leurre, ça marche et ça marche très bien. Parce que dans des conditions climatiques qui ne sont pas du tout optimales, on a un vent de foule, si on n'aime pas ça. Et ça y est. Et ça y est. Ce qui devait arriver est arrivé. Bon, et bien, ça fait suer. Mais d'un autre côté, c'est comme ça, c'est la pêche. C'est un poisson qui connaissait parfaitement son habitat. Donc, ça prouve une fois de plus, ce ne sont pas des poissons stupides, loin de là. Marc a fait le maximum, mais il ne pouvait pas faire mieux. Ah ben, la pêche au leurre, ça marche, on va continuer. On va continuer de pêcher, et puis on espère avoir un peu plus de réussite avec un gros poisson. C'est ce qu'on espère, mais ça va arriver. Ça va arriver. Courage. Attention. Canne bien grosse, hein, canne. C'est petit. Voilà, c'est autour de François. François, là, je suis aussi pas dur. Hein, non. François, t'étais à quoi leur soupe? En cuillère, là. La cuillère. Donc, vous voyez, là, maintenant, c'est une touche à la cuillère. On a fait. C'est assez sympa parce qu'on leur a touché avec trois sortes de leurres différents. Ça veut dire qu'on a mis quelques coups, on a lancé quelques fois. Hein. Extrêmement planant. François, reste bien dans l'axe de ton poisson. On l'amène gentiment. Ouais, à la limite, ouais, si t'as la pince. Attends, je vais lui passer la main quand même. Regardez.
peux me passer la pince? Putain. Je garantis, celui-là, il risquait pas de s'en aller. Hein. Voilà, il nous fait nerveux un peu, on va lui rendre sa liberté. Allez, va grandir. Bravo François. Et voilà. Premier poisson sorti, pour moi je suis bien content. Là, c'était une cuillère légère, hein, comme elle était en 40 grammes. Voilà, il a pris là-dessus. Assez rapidement par élimination. Ouais. Quand tu as des kilomètres, des hectares d'eau, des kilomètres de rive, l'élimination elle est dure à faire. Tu es obligé de. Il faut tout prospecter pour arriver à. Prospecter, c'est pas une fois. Tu vas une fois. Tu fais une pêche, tu pêches 5-6 heures, tu prends rien. C'est pas que le poisson est mauvais, c'est peut-être que les poissons mordent pas. Ou à l'inverse. Tu vas, tu fais 5-6 heures de pêche, tu fais une belle pêche, tu dis waouh, le poisson il est formidable. Tu reviens 10 fois, tu prends rien. C'est un mauvais poste, ça vaut rien. Tu vois, il faut énormément de temps pour arriver à trouver les. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Tu rajoutes en plus les conditions climatiques. On a des conditions climatiques qui sont pas bonnes. Ça, c'est des mauvaises conditions. Quand tu as des vagues comme ça, c'est mauvais. Ouais, bien sûr. Ah, le silure, il n'aime pas le bruit. Ça, c'est clair. Ouais. Comme il bouge celui-là d'un coup. Oh putain, cassé. Il m'a coupé contre un rocher. Regarde, il allait me couper là. Le morceau à descendre du caillou. Ah, décroché, putain. Oh, la journée, qu'à ça s'y met. Ouh. Ouh là 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 là. Oh, putain. Ouais, je suis. On dessert les boulinets. C'est chouette. Oh putain. Ah ça y est, François, c'est bon, le ciel arrive. Ouh, mais on c'était pas loin hein, en fait. Hop, ça y est, je l'ai. Waouh. Oh, doublé, c'est énorme. Oups, il a les moustaches devant encore, il est pas bon. Vas-y, Marc.
voir le slip que ça tape. On peut le faire. C'est voir celui qui a la plus grosse marque. Ah, il est plus gros aussi. Là, tu viens de te lâcher gaffe. Hein. Arrête, ça va dégueuler là. Ça va faire du caca partout là. Ça y est, j'ai des rires sous le doigt de Tim quand même. Ouais. Tire une truite un peu. Ouais. Tu l'as relâché ? Oui. Allez petit, il va grandir. Allez petit, on t'a pas fait mal. Allez, va grandir. Bon allez, on s'y remet. Au boulot. Alors voyons. Ah oui. Mais tu vois, j'ai changé ma tête plombée, là, ça va beaucoup mieux. Plombée plus légère, c'est bien plus agréable. Et vous êtes capitaine. Et le capitaine, c'est what? Le capitaine, c'est what? Poisson, mais attends, pour le moment. Pas la lumière, hein. Dès qu'il arrive. Non, toujours pas. À 50. Ouais, c'est peut-être plus grand, ouais. Ça a l'air un peu plus grand. C'est un guerrier, ça. C'est pas très très gros, mais c'est un guerrier. C'est bien battu. C'est un guerrier. Il est pas gros, hein, mais c'est... Pas planche, ouais, tu le prends, bah, allez, vas-y. Il est bien percé. Ah oui, c'est vrai. Tu peux t'aider, tu peux l'attraper, tu rapproches le poisson, tu peux tenir un peu fort, là, il n'y a pas de problème. Ouais. Bien piqué en tout cas. À 30, ouais, c'est juste. Le vin est crevé. Il pisse un peu là. Regarde,
fait pipi là. On vient de prendre encore un poisson, il est 16h30, plein soleil, il doit faire 27-28 degrés, donc c'est vrai qu'on ne prend pas de très très gros poissons, mais on continue à pêcher, on continue à prendre des silures au leurre. Et j'espère que ça va durer toute l'après-midi. On continue. Je change de leurre puisque bon, le silure a fini par me le manger. On va changer de couleur. Par contre, on va garder la forme. Donc on le plante là. Donc il faut que le leurre soit bien droit. L'hameçon bien au milieu, de façon à ce qu'il nage le plus droit possible dans l'eau. Sinon il est déséquilibré, il a tendance à tourner, ça c'est pas bon. Voilà, là il est parfait. Quand tu me demandais s'il était gros ou pas, quand je sais pas s'il est gros au départ, après je suis incapable de le dire. Parce que le combat, tu sais jamais si le poisson est gros ou pas. Hein. C'est où, quand, dès que tu l'as ferré, tu dis ouf, là c'est resté calé au fond, tu sais que c'est gros. Ou alors c'est difficile à apprécier, on peut dire il est gros, on peut dire il est moyen, tu vois je le croyais plus gros à force. Bon ben on l'a pris, on va passer le bras. La même taille, mais c'est toujours grand soleil, toujours même température. Il est 17h, donc c'est demi-heure après l'autre, et on prend toujours des poissons. Donc on passe une bonne journée. Finalement, la pêche, c'est ça, c'est de passer une bonne journée. Alors, comme chacun sait, la couleur des leurres, c'est pas ça. Les copains qui sont un petit peu fâchés, donc je vais me débrouiller tout seul. Alors bien sûr quand on décroche les poissons, il faut faire attention aux moussaches, les grandes, mais les petites également. Bien coup de moteur électrique. Marc, mets un petit coup de moteur électrique pour partir. C'est le type exact des postes à silure dans les rochers. Bon, bien sûr, ce rocher, il n'y a pas de silure dessous, puisqu'il est au sec, mais on a les mêmes sous l'eau. Et les poissons se glissent dans les failles et se cachent là. Et en pleine journée, c'est ces poissons-là qu'on pêche et qu'on arrive à prendre, donc en pêchant. Bien sûr, ils sont bien enclavés dessous, donc il faut pêcher très précis, à la plombe des blocs que l'on voit, des blocs qu'on imagine. Et à ratisser, pêcher très près, puisque les poissons seront carrément cachés à l'intérieur. Aujourd'hui, ça fonctionne. Ils vont certainement encore m'en vouloir. Je pense que je vais me débrouiller tout seul. Ils vont me demander de faire le moteur électrique, mettre en poids et décrocher mon poisson. Ouais, je te dors. Je vais vraiment me faire. Parce que, voilà. Mais tant pis, 17h07, la pêche est bien engagée. Depuis, ça commence à bien faire. C'est beau ou pas? C'est toujours le même calibre. Ouais, d'accord. C'est pas des gros poissons. Si t'as besoin d'un coup de main, tu me dis. Oui.
t'as pas besoin, tu me dis aussi. Il est peut-être un peu plus haut. Ah, on va faire un récalcitrant, petit voyou. Et on va faire comme d'habitude, on va faire du no-kill, on va couper la tête et relâcher le reste. Oui, c'est très bien ça. Bon, moi je vais mettre mon t-shirt parce que avoir mon corps de rêve, comme ça, ça va encore m'effaroucher. C'est un nerveux. C'est un petit teigneux celui-là. Voilà. Comme ça, le prochain coup, c'est tout bon. Ah, mon couteau. Alors, papa. Merci, Laurent. De rien, mon adjudant. Oh, grand Marc, nous livreras-tu un jour tes secrets? Voilà, beau pépère. Allez, on va lui rendre sa liberté. Bravo, Marc. Bravo, Marc. Bravo, oui. Marc. Vous savez comme il a dit bravo, Marc? T'as senti le reproche dans sa voix, là? À décrocher. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, j'étais mal piqué, c'est tout. Tu as une explication, toi, par ça? Non, non. Que je l'ai ferré. Hein. Ouais. C'est tout, j'ai pas de bol, tu vois. Celui-là, il m'a mis un tout petit poc, hein, par contre. Hein. Ouais, mais. Je vais serrer un peu plus mon frein. Je vais serrer encore un peu mieux les ferrages, et puis voilà. Puis là, je vais tomber sur un gros poisson, puis je vais me faire exploser la tête. Hein. Ça, c'est un grand classique. Il y en a vu deux ensemble. Hein. Là, c'est pas la même chanson. Là. Voilà, le... Ça, c'est pas la même chanson. Là. Bon, eh bien là, on dirait qu'on est parti. Ouais, ça va vite, mais c'est pas sûr. C'est violent quand même. On est là qu'on est parti. En tout cas, celui-là, c'est un violent. Oui, il est parti très vite, mais peut-être trop vite pour que ce soit un gros poisson. Il y a eu un beau démarrage, c'était sympa. C'est souvent comme ça, poisson très vif. Ça paraît pas très très lourd, mais je sais pas. Non, c'est pas très très lourd. Ah, mais c'est plus beau que ce qu'on a touché là. Sûr, c'est plus joli. C'est plus joli, y'a pas de problème. C'est plus joli. Là, il rejoint le lit de la rivière. Apparemment, c'est une poisson qui a l'air un peu plus solide. Ouh, j'aime pas ça. Attention, recule, recule, recule. Attends, attends, à cause de ça. Plus gros que ce qu'on a pris. Ça, c'est sûr. Thank you.
vois, c'est pas plus gros. C'est très très méchant et c'est pas plus gros. Ah, il est plus d'avant un peu. Ah oui, il est pris sur le côté. Il a refusé le leurre et il est piqué sur le côté. Voilà pourquoi il a piqué la... Là, on a l'explication du départ très violent, qui était, je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas, mais qui me paraissait un petit peu anormal. C'est un poisson qui a refusé le leurre, donc qui a tapé dedans et qui s'est pris sur le côté. C'est pas très très joli, mais ça arrive de temps en temps. Alors on va le décrocher et le laisser repartir. Il y a eu un beau combat quand même. C'était sympa. Alors là, vous voyez un poisson encore accroché par le côté. Alors, ça a une explication, hein, c'est pas par hasard. En fait, ce sont des poissons qui refusent le leurre, qui ne l'attaquent pas, qui veulent le chasser de leur poste. Donc, pour cela, eh bien, ils mettent, soit ils s'aplatissent dessus, soit ils mettent un grand coup de queue pour l'expulser. Et il arrive que, ben, malheureusement ou heureusement, parce qu'il ne faut pas non plus en faire un drame, eh bien, on pique les poissons soit par la queue, soit par un morceau de ventre. Bon, ça se décroche très facilement, ça se remet vite à l'eau. Ce sera peut-être pas un silure, ce sera de la sciure que je vais prendre. Bon, enfin, cet après-midi, il est clair, net et précis que ça mord dans les rochers. Les poissons sont cachés dans les roches. C'est là qu'on est encore. C'est un arbre ou une bouteille là-bas? Ou un arbre, en fait. Je sais pas. Il y a bien un arbre. Là. Tu t'arrêtes là, c'est bon, tu coupes le moteur. C'est bon, point mort, t'arrêtes le. Ça fait mal au dos, je crois que ça fait un mal au dos. Tu veux faire quoi avec ton Laurent, toi? Attends, je vais essayer de te tourner le bateau. Voilà, bien ta cannelle, voilà. C'est bon. Il a fini son rush. Ah, c'était beau, hein. Ah, il m'en a fait un beau, le PPA. Il m'en a fait un. Ouais, ouais. Ah, c'était beau. Je sais pas, je l'ai vu petit, moi. C'est... Non, c'est vachement nerveux. Moi je l'ai vu petit, hein. Ouais, tu le prends, tu le tiens par la queue. Ouais, je m'en doutais. Ouais. Ah, je l'ai pris par là. C'est pas très joli peut-être. Hein. Déjà on en a montré. Hein. Pourtant j'avais bien fait ça. De tête, c'est énorme. Thank you.
la mènes, François, ou tu me l'amènes où je la mets? Vas-y, vas-y. Tu me l'amènes au siège ou tu peux te mettre là? Ouais, où tu veux, ouais. Ouais. Ouh. C'est une dernière fois pour voir. Celui-là, c'est ici. Là, vous voyez quelque chose d'assez intéressant, c'est regarder les moustaches du silure lorsqu'il arrive au bateau, et ça explique bien son comportement. Lorsque le silure n'est pas rendu, il va arriver vers vous avec les moustaches pointées vers l'avant. Ouais, ça veut dire qu'il lui reste de l'agressivité. Il est capable d'essayer de vous mordre. Hein. Il n'est pas prêt. Hein. Alors rassurez-vous, s'il vous mord, c'est jamais que des dents arrondies, ça picote un peu. Ça rappe, mais c'est tout, hein. Ça ne va pas vous faire couper une main comme on peut le raconter. Mais c'est très intéressant. Donc, quand vous avez les moustaches pointées vers l'avant, vous le caressez encore un petit peu, il va repartir libérer son trop-plein d'agressivité, et il va revenir la deuxième fois, il aura les moustaches le long du corps, donc ça veut dire qu'il est rendu, qu'il accepte la défaite. Alors à ce moment-là, il vous suffit de l'attraper, comme je vous l'ai expliqué, par la bouche, vous le montez délicatement dans le bateau, vous le décrochez, puis vous le remettez à l'eau. Merci Laurent. Ah, le poisson a marqué. Ah, un beau poisson. Celui-là, il fait bien 40 kilos. Bien. Sans problème. Bravo, Marc. Bravo, Marc. On ne demandera pas si c'est une fille ou un garçon. Hein, on va le remettre à l'eau, gentiment. On va lui rendre sa liberté. Ah. Allez, il est reparti. Bravo. Oh, oh putain! Écoute, je peux pas les empêcher de mordre! Non mais attends! Fais chier, on va te bander les yeux quoi! Ah si vous voulez, mais. Oh, mais oh, ça c'est plus sérieux les gars! Laurent? Ouais, c'est plus sérieux! Voilà, ça c'est sérieux! Mais non. Il est parti. C'est une malédiction aujourd'hui. C'est un peu pour les autres. C'est pas la même gabarit. À la fourchette. À la fourchette chez Olivier. Il y avait l'autre juste à côté. Ah ouais, mais j'ai vu là-bas. Regardez. Il est plus gros.
rattraper la dessus. Dès que c'est fort par contre. Là, vous venez de voir quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est l'ami Marc Dupuis. Bon, on connaît tous le talent de Marc, hein, et la connaissance bien évidemment des lieux. Alors Marc vient de nous faire une série de 4-5 poissons là, c'est explicable, à savoir, outre le fait que Marc est un très très bon pêcheur, il exploite systématiquement le même type de poisson, c'est-à-dire il lance, on va dire, là où il pourrait y avoir une cache, une infractuosité, un retour avec des pierres. Donc il a bien cerné, l'approche des postes. L'attaque se produit toujours dans le premier mètre. Le fixe sur un bateau, quand on est plusieurs, il attaque le poste en premier. Il y a l'effet de surprise aussi qui joue pour lui. Ça aide énormément. Ceci dit, ça n'enlève rien à son exploit. Et encore bravo, parce que quand on attaque comme il faut un poste avec l'heure qui est appropriée, eh bien, vous voyez, le résultat ne se fait pas forcément attendre. Alors, bravo Marc. Fais-toi de grandir. Ça, c'est les poissons qui n'ont jamais été pêchés, aucune cicatrice. Hein. Allez. Ciao, bambino. En fait, il en a adressé trois. Suivez le bateau. Il borde à intervalles réguliers. Là où j'ai lancé, si j'avais été en touche, moi qui prends une crise. Ah, joli. Ça, c'est un gros poisson. Hein. Ça, c'est un gros. Hein. Ouais, c'est un gros. Hein. Moi, je l'ai vu tourner, il est gros. Ouais, ça, c'est gros. C'est bien. Moi, je l'ai vu tourner, c'est un beau poisson, en France. Allez, moi. Accroche-toi aux branches. Ah oui, tire-y. Ah, c'est un beau poisson. Ah ouais, je l'ai vu tourner. Ah, il est parti au large, il est parti dans la rivière. Parce que là, tout va bien. Il est parti dans la rivière. Il a sauté par-dessus. Ah, j'ai vu ça. Ah ben moi j'ai rien moi. C'est là où. Attends, tu veux te le peser? Tu vas voir. Est-ce qu'il faut faire la photo avec ça ou on attend plus gros? Peut-être qu'on devrait en faire une quand même. Non? Non? Avec grand plaisir. Oh, on est tombé sur un petit nerveux. La première fois que j'en vois faire ça, Pierre. Il me fait des sauts de truite. Possible.
gravé. Allez, hein. Voilà un beau petit poisson, un beau moustachot. Il y a un doublé de poisson, hein. On a marqué au combat, je pense. Il est beau ton poisson, hein. Ouais, il est beau. Marc, il a un beau poisson. Tu fais mon Marc, hein. Bien piqué. Je crois bien qu'il est pas bien piqué. Je vais essayer de l'attraper. Allez, ouvre. Ouvre. Ouvre là. Ouvre le bec. Ouvre. Il est comment ton poisson? T'as de mal, Aura. Un poisson à Marc. Je vais l'attraper. Voilà. Encore un splendide poisson. Ah, il n'y a peut-être pas de 60 mètres, mais je peux vous dire. Il y en a quelques dizaines de kilos. Ah, il pêche quand même assez phénoménal. Ben oui. C'est phénoménal.
travaillent à la chaîne ici. Il est beau aussi, tiens. Hein. Oh, qualité de sous aussi. Pareil. Oh, j'ai vu. Marc, j'ai vu le sillon qui suivait le leurre. Elle est vraiment mal positionnée, la cuillère. Moi, j'arrive pas. Tiens, je le tiens, mais vas-y. Beaucoup plus d'eau. Hein. Colère le monsieur. Allez, viens faire caresse. Allez, approche. Faire caresse. Allez, on va lui refaire une deuxième caresse. Voilà. Allez, viens faire caresse. Attends. Il ne va pas toucher. La prochaine, ce sera la bonne. Allez, François. Garde-toi un peu de marre. Que tu l'attrapes maintenant, François. Allez, pose vite ça parce que c'est lourd. Parce que même moi j'en chie là. Allez, François, grouille, prends-le par le dessous. Par le ventre, pour pas qu'il touche.
Voilà. J'arrive. Hein. Attends, on va le positionner comme il faut. Voilà. Et ben voilà. Ah, il a croisé les moustaches, il est content. Voilà. D'accord. Eh ben, ça c'est une belle fin de partie de pêche. Ben, il était un petit peu inquiet ce matin pour les images, mais finalement, ça a été une bonne journée. Allez. Il a des couleurs super. Il est beau, 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 il est beau. Allez, mon gars. Bravo. Voilà, on a eu... Notre ami le silure, il nous a fait des belles choses. Voilà, merci Marc. Regarde, regarde, regarde avec ta caméra. Regarde ce qu'il vient de cracher. Un crabe. Une patte d'écrevisse, mais pas une petite écrevisse. Alors Marc nous dit toujours que c'est la base de l'alimentation des poissons méchanisés. On en a encore la preuve. Excusez les mains si elles sont sales. Mais c'est une belle écrevisse. Hein. Allez. Donc voilà. L'arme tueuse pour le dernier beau poisson de la journée. Cuillère très légère, en 40 grammes. Un beau triple et un beau poisson à l'issue. On vient de voir au cours des précédents combats là, que contrairement à une idée reçue, ce poisson le silure est vraiment un beau poisson de sport et un poisson de combat. On a des batailles avec les poissons qui sont magnifiques, des rushs énormes. C'est vraiment du spectacle et franchement c'est une très 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 belle pêche à essayer absolument.